Et coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle présentation d'oracle et nous en avons trois pour le prix d'un. C'est un petit peu comme le shampoing, les trois en un. Tu as le shampoing, l'après-shampoing, le soin. Bon ben là c'est un petit peu pareil. En réalité il en existe quatre, mais moi j'étais plutôt inspirée par ces trois-là. Alors aujourd'hui, bienvenue sur la présentation des oracles. La divination selon Jack, l'oracle de Lucie et la voyance cash de Joe. Franchement, ces trois oracles, je les adore. Ils peuvent s'utiliser séparément ou ensemble, mélangés ou avec d'autres tarots ou oracles, bien sûr. Alors, c'est la collection Soul Shadow. On les trouve un petit peu partout, voilà. Et ils ont chacun, bah tu verras, je vais te présenter ça dans quelques secondes. Ils ont chacun un rôle particulier, une façon particulière d'utiliser les cartes. Avant de commencer, je te remercie d'être là, de m'écouter. Et peut-être que tu as été faire un petit tour sur cette chaîne et que tu as découvert des oracles, des tarots, enfin bref, des jeux de cartes qui t'ont inspiré pour toi ou pour tes amis. Et c'est ça le but en fait, tout simplement, de les présenter carte par carte. Et peut-être aussi que tu es tombé par hasard sur un tirage intemporel et que tu as reçu ton message au moment où tu as entendu cette vidéo. C'était le message que tu devais entendre à ce moment-là. Si c'est pas encore le cas, eh bien va faire un petit tour dans la playlist, peut-être même clique au hasard, laisse-toi emporter. Toutes les vidéos, même si elles ont été postées il y a longtemps, elles ont toutes un message pour toi puisqu'elles sont toutes intemporelles. Voilà. Merci pour les likes, merci pour l'abonnement. Si t'es pas encore abonné, eh bien rejoins-nous, ça me fera plaisir, ainsi que toutes les personnes ici de notre petite communauté. On y va? Allez. On va commencer, on va les mettre de côté, voilà. Tiens, on va commencer par Jack. Alors, Jack, alors je vais les sortir tous les trois. Alors, regarde, c'est une petite boîte toute simple, cartonnée. Je trouve que c'est pratique, en fait, hein. Bon, tu vois, tu ouvres par le haut. Et voilà. Et le dernier, Joey. Alors, on va commencer par te parler de Jack. Mes hommages, je suis Jack, le dandy de la carte à jouer. Les cartes sont toute ma vie. Elles ont fait mon succès, ma renommée et n'ont plus de secret pour moi. C'est tout volontiers que je vous fais profiter de leurs conseils avisés. Sans complaisance, mais toujours avec élégance. En quoi puis-je vous être utile? Bon, ben, comme tu peux le constater, il y a beaucoup d'humour dans cet oracle. Voilà, on va le mettre ici. On va parler aussi, tiens, de Lucie, comme ça tu vas te faire une petite idée. Alors, coucou, je suis Lucie. On vient souvent me consulter pour apporter des réponses à tout type de questions. Mes amis disent que je suis douce, attentionnée, avec un talent pour transmettre de sages conseils grâce à mes cartes oracles. Je lis le passé, le présent et l'avenir avec clarté et justesse pour te guider à dessiner le futur que tu désires. Comment puis-je t'aider? Ok, donc voilà pour les deux premiers. Et le dernier, c'est Joe. Salut, moi c'est Joe. Le pote qu'on sonne quand on a besoin de réponses rapides. Je dégaine cash direct, droit au but, efficacité absolue pour n'importe quelle question. Ma franchise est ma plus grande force. Faut bien que quelqu'un se dévoue pour oser dire les choses, non? Mais détente, je suis là pour te faire gagner du temps. T'aider à prendre de la hauteur avec humour et t'éclaircir la voie. T'es prête? T'es prêt? Ferme les yeux, respire et pose-moi une question. Ok. Alors, nous avons trois types d'oracles complètement différents. Alors, celui-ci avec Jack, en fait, ce sont des cartes à jouer. Donc, regarde, il y a les trèfles, on a les piques, ok. On a les carreaux, pardon, et les cœurs, ok, avec donc de 1 à 10,
de l'As à 10 et puis Valet, Dame, Roi, comme un jeu de cartes traditionnel. Sauf que sur les cartes, il y a des petites explications. Par exemple, si on prend l'As de trèfle, il y a quatre significations suivant comment la carte tombe dans ton tirage. Là, il y a marqué triomphe, victoire, vous êtes sollicité, présent, agréable, rentrée d'argent. Bon, tu vois. Alors, pour l'oracle de Lucie, donc là, on a une présentation de chaque carte avec des mots-clés. Hein, voilà, c'est bien expliqué. Pour aller vite un petit peu dans l'interprétation, voilà, pour comprendre. On va les mettre dessous. Et en fait, l'oracle de Lucie, ce sont plutôt des images avec un mot. Voilà. Je vais te présenter dans quelques instants. Et Joey, alors ce sont tout simplement des messages cash, un peu drôles, de Joey. Par exemple, évidemment, tu défonces tout. Enfin, c'est un peu un langage de Jones, quoi. Alors... écoute, sur celle-ci, je vais te la présenter rapidement pour l'oracle de Jack. Donc voilà, on a l'As de... Alors par exemple, pour moi, le trèfle, ce serait tout ce qui est en rapport au monde matériel. Donc là, on parle de se calmer. Bon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Voilà. 10. Alors le valet... Le voici, vous êtes flexible, admettons il tombe comme ça, vous êtes à l'honneur, donc c'est plutôt positif. Donc une dame, humour, légèreté, le roi, un homme puissant et rassurant, discernement, clarté d'esprit, donc ça c'est intéressant. Alors les piques pour moi ce serait plutôt dans un jeu de tarot par exemple comme les épées, voilà. Donc là par exemple l'as d'épée, on parle d'un changement majeur à venir, d'une fin de cycle, d'une perte importante. Vous rompez avec le passé. Bon, c'est pas tout à fait comme le tarot non plus. Hein. Je pense que ça s'inspire un petit peu de la méthode de tirage de Mademoiselle Lenormand avec les cartes à jouer. Là, on a l'invitation à la prudence. On parle d'un déménagement, bon, par exemple pour le 2. Le 3, on parle de colère. Le 4, on parle d'une pause. Bon, ça, c'est assez proche. Voilà. 10, introspection. Alors, le valet de pique, qu'est-ce qu'il dit? Faites preuve de discrétion. Personne prudente pour la reine de pique. Le roi est une personne influente. Pour moi, ici, les carreaux, alors ce serait un peu les bâtons. Voilà, là, on a une nouvelle importante pour l'as. Surprise agréable pour le 2. Le 3, on a une rentrée d'argent, par exemple. Le 4, vous pouvez souffler un peu. Voilà, le 5, le 6, genre je ne vais pas tout te lire parce qu'il y a en plus 4 messages. Par exemple, acte manqué pour le 9. 10, voyage, déplacement. Le valet, votre présence est recherchée. On essaie de vous séduire pour la dame. Et de ce côté, tiens, succès en affaires. Invitation, flirt. Personne opportuniste près de vous. C'est vraiment intéressant hein, dans un tirage ces cartes. Voilà, le roi réussit face à l'adversité. Et on arrive au cœur. Le cœur, c'est toujours le côté sentiment, émotion. Voilà, l'as de cœur, l'harmonie dans le foyer, le 2 de cœur, l'union, le mariage, le 3, le triangle amoureux, 4, séduction, 5 de cœur, ça ressemble un peu au tarot, perturbation passagère, voilà. Le 6, ne cédez pas à la panique. Non, vraiment, j'aime beaucoup ces oracles. Alors, le valet de cœur, c'est un beau parleur. Et oui, la dame de cœur, la situation est apaisée. Nouvelle initiation, ok. Et le roi de cœur, générosité, un ami de bon conseil. Voilà pour Jack. Alors, on y va pour Lucie. Alors Lucie, je vais bien te montrer les cartes de plus près, le foyer, l'union, la joie. La séduction, le choix, le savoir, l'introspection, hein, le journal intime, les discussions autour d'un repas, le souhait, la passion, là ce sont des jeux vidéo par exemple, la compassion, petit poisson que l'on remet dans la mer ou dans l'eau, le cadeau,
l'illusion, ah, les masques, la fin, la révélation, la foudre divine, la colère, c'est bien, je trouve, imagé tout ça. La pause, on fait une petite pause là, besoin de faire une pause, ça c'est intéressant avec les chaussures. Le défi, l'héritage, la tromperie, ou le piège qui fait mal, la ressource, le stress, la prière, l'espion, ici c'est un jaguar ou une panthère noire, l'affirmation, ça c'est intéressant avec une pastèque, les nouvelles, avec le vieux Nokia des années 2000, la fuite, le contrat, la stérilité avec le scorpion et le désert, l'argent, la libération, la chance, le retard, l'aventure, l'attraction. Alors l'attraction, c'est rigolo parce que c'est Joey en fait, c'est l'autre personnage, c'est le beau gosse quoi. L'image de soi, l'autorité, la victoire, la créativité, l'accord, le déplacement, l'excès, le passage, le repos, la stratégie, l'authenticité. Je ne sais plus comment s'appelle cette personne. J'ai plus son nom. Voilà, c'est un artiste connu. Voilà. La polyvalence, la stabilité avec les racines, l'amour avec un petit cupidon. Et voilà, on a terminé avec l'oracle de Lucie. Et pour Joey, écoute, alors on va peut-être pas lire toutes les phrases, on va en lire quelques-unes, par exemple. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse ? Oui, c'est vraiment, oui, si c'est ce que tu veux, courage, ça va bien se passer. C'est oui, mais pas tel que tu penses, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Toute cette pression est-elle bien utile ? Respire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple, avec la flamme ? T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse ? C'est rigolo. Mieux que dans tes rêves. C'est du solide, ton affaire. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. C'est sympa, hein ? Les messages, je trouve, sont rigolos. Relax, c'est en chemin. Voilà, ça se marie très bien avec un tirage, par exemple. Ou que pense mon autre, ou que veut bien mon autre, ce genre de choses. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ? C'est ton moment, fonce ! Allez, encore deux. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Lâche rien, ça va cartonner. Voilà, donc, c'était les oracles de Jack, Lucie et Joey. J'espère que ça t'a plu. Alors oui, j'avais oublié de te présenter le dos des cartes. Alors celui-ci, c'est pour Jack, Lucie et Joey. Alors, comme tu peux voir, vraiment, il y a beaucoup de couleurs. C'est gay, c'est design, c'est jeune, c'est frais. Voilà, j'aime beaucoup le choix des designs, voilà, qui a été abordé pour chaque jeu de cartes. Et la qualité est vraiment chouette. Alors, la carte est assez petite, tu vois. C'est plus petit qu'un jeu de tarot, par exemple. Mais le carton est assez épais, mat. Ça glisse bien, donc c'est facile pour les mélanger. Voilà pour le petit bonus. Bye bye!